Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. La Red Army a répondu présent comme toujours. Qu'il est beau ce stade d'Anfield. Sur la même longueur d'onde. On va voir ce que nous réserve ce match. La défaite est interdite sous peine de relégation. Oh, voici Lallana. Et il va être sanctionné. Il joue dans l'espace. Le dégagement. Arnold. Mané, c'est bon, c'est but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder le but. Mané, qui a inscrit son sixième but de la saison en championnat. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Il glisse le ballon en profondeur. C'est dégagé, loin devant. Oh, il a pris des risques sur un coup franc. Le long dégagement du gardien. Liverpool qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est osé, au tour du gardien de jouer. Le gardien loin devant. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire ? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour retirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oh oui, tu vois. Frappe ! Et c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile ! Brighton qui essaye de construire. Quel geste! Il tire! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu! Un bon pressing des attaquants et voilà comment passe de la défense à l'attaque. C'est bien joué! Arnold, il allonge vers l'avant. Salah! Oh, le bon ballon! Il écarte sur l'aile. Il reçoit le ballon! C'est bien fait ça. Il va frapper. Ça fait but. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Oh le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment.
Liverpool vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. La passe dans la profondeur. Le gros dégagement. On en restera là pour cette première période. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on connaît. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Mohamed Salah. Qui est le premier sur ce ballon? Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, occasion jusqu'au bout. C'était presque au fond. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Brighton qui peut avancer. Allez. Ça passera sur le côté. C'est joué long. Un peu d'oxygène pour sa défense. Et le danger est écarté. Va-t-il en profiter? Il relance côté droit. Ça revient dans l'axe. C'est dégagé, loin devant. Touche. Oxlade-Chamberlain qui ne résiste pas au contact. C'est joué long. Mané. Oh, il a bien vu son coéquipier. Mané pour trouver la faille dans la défense. Il peut frapper. Les amis disent la marque. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Un joueur démarqué comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! Je reprends 3-0 au tableau d'affichage. Brighton qui cherche l'étincelle. C'est joué long, attention. Et ils vont effectuer cette touche. Bien servi. La frappe! Séquence de passe, collectivement c'est parfait. Il est bien placé. Kayal. Il joue dans l'espace. Le centre est tendu. Il a préféré jouer la sécurité. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Qui a de l'espace. La passe en retrait vers son défenseur. Nacho Vidal. Pour trouver la faille dans la défense. Maintenant, le centre. Danger repoussé pour le moment.
Un centre encore. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et cette saison se termine donc sur une victoire. Que retenez-vous de cette rencontre? Écoutez, j'en pense surtout que cette saison est maintenant terminée. On a eu notre lot de joie et de surprises. Alors les équipes vont savourer ce court repos et se projeter rapidement vers la saison suivante. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, mon cher Grégoire. On every side.